Yo à tous et à toutes, c'est Arkezo. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Rising Hub, plus précisément Battlefield Heroes pour ceux qui connaissent. Et pour toutes les nouvelles personnes qui connaissent pas le jeu de base, c'est un ancien jeu cartoon de 2008 qui a été supprimé par EA et plusieurs développeurs ont rouvert le jeu. Donc je vous invite tous à regarder la vidéo en entière pour ceux qui connaissent pas, vous pourrez peut-être découvrir un jeu. Et du coup, vous allez sur le site que j'ai mis en description, risinghub.net. Vous allez sur Register qui est juste ici sur le site, voilà l'endroit où il y a mon curseur. Vous cliquez dessus, vous mettez vos informations et vous mettez OK et vous vous reconnectez. Donc moi je vais me connecter directement, ça sert à rien de m'inscrire 15 fois. Ensuite pour télécharger le jeu, vous cliquez sur Download. Vous allez sur Download or Launcher. Vous cliquez dessus, ça vous télécharge un petit launcher, Dark Launcher en bas à gauche. Ensuite, suivez bien ce que je fais. Je crée un nouveau dossier que j'appelle comme je souhaite. Donc moi j'ai laissé nouveau dossier parce que je m'en fous. Je glisse le Dark Launcher à l'intérieur et je lance le Dark Launcher. Je fais exécuter, là je dis OK, et là je sélectionne le dossier que j'ai créé. Donc nouveau dossier, je clique dessus, OK. L'installation va se lancer, je vais pas le faire parce que j'ai déjà installé mon jeu, mais vous faites OK, le launcher va s'ouvrir, ça va vous demander de télécharger, machin machin. Une fois l'installation terminée, le dossier ressemble à ça, avec beaucoup d'images de Plano, avec le Dark Launcher et BFH Heroes. Vous lancez Dark Launcher quand vous voulez jouer, normalement vous avez toujours votre launcher ouvert, donc vous n'avez pas besoin de le fermer, mais... Quand vous voulez jouer la prochaine fois, c'est Dark Launcher qu'il faut ouvrir, donc je vais le relancer, je fais OK, et là vous mettez annuler au lieu d'OK, pour pas qu'il vous le réinstalle, et ça vous checker votre installation pour voir s'il manque pas des choses pour une mise à jour ou quoi. Là il me dit que c'est bon, et ensuite je fais Play Now. Donc à partir du moment où je fais Play Now, le jeu va se lancer, comme tout le monde connaît. Donc le jeu se lance, vous sélectionnez votre personnage, et puis vous lancez votre serveur. Pour rejoindre un serveur précis, vous allez sur le site et vous allez dans Game Server et vous mettez en favori le serveur que vous souhaitez, le même que votre pote, etc. Vous cliquez sur la petite étoile, ça vous met qu'il est en favori, vous faites Play Now, habituellement comme d'hab vous faites Play Now et ça vous rejoint à ce serveur là, s'il y a de la place. S'il n'y a pas de place, ça va vous faire attendre ou bien peut-être rejoindre un autre serveur que vous ne connaîtrez pas. Et vous pouvez également lier votre Discord au jeu, donc pour ça vous cliquez sur Discord, sur la page d'accueil du site, vous rejoignez le Discord, donc moi je suis déjà dans le Discord. Donc il n'y a aucun problème, donc vous le rejoignez. Une fois l'avoir rejoint, vous allez dans Profil, Link Account, et là vous cliquez sur Rejoindre le Discord ou Lier mon Discord, et après vous faites Refresh, et là à partir de ce moment-là, ça va vous dire que votre Discord a été lié. Donc il n'y a aucun problème, ça marche, hein, pour toutes les personnes qui n'ont vraiment pas suivi l'histoire de BFH, toutes les personnes qui sont en mode « Ouais putain, le jeu il rouvre et tout », voilà, le jeu est là, le jeu fonctionne, il n'y a aucun souci, regardez, je suis déjà niveau 12, lancez votre jeu, créez votre perso, il n'y a aucun problème. Moi je vous dis bonne soirée, profitez quand vous jouez et faites-vous des potes. N'hésitez pas à rejoindre mon Discord qui est en description. On répond à toutes vos questions s'il y a un problème ou bien dans les commentaires de la vidéo, je réponds à vos questions, il n'y aura aucun souci. À la prochaine, allez ciao.